Quand le 28 octobre dernier, je me suis adressé à vous, je m'étais engagé à vous rendre compte de l'évolution de l'épidémie et des décisions qui pouvaient être prises en conséquence. Un mois plus tard, où en sommes-nous? Le nombre de cas positifs journaliers à la Covid-19 a fortement reculé. Il a été supérieur à 60 000. Il s'est établi la semaine dernière à 20 000 cas par jour en moyenne. Après avoir atteint 33 500 patients hospitalisés le 16 novembre, soit plus que lors de la première vague, nous avons aussi commencé une lente décrue. Une nouvelle étape s'ouvrira à partir du samedi 28 novembre matin. Il y a d'abord ce qui ne va pas changer. Le confinement adapté et donc le système de l'attestation resteront en vigueur car c'est ce qui nous a permis d'obtenir ces bons résultats. Il faudra donc continuer à rester chez soi, à télétravailler quand cela est possible, à renoncer aux réunions privées, aux rassemblements familiaux et à tous les déplacements non nécessaires. Mais dès samedi prochain matin, plusieurs changements seront réalité. D'abord, les déplacements pour motifs de promenade ou activité physique en extérieur seront désormais permis dans un rayon de 20 km et pour 3 heures. Les activités extrascolaires en plein air seront à nouveau autorisées. Pour les cultes, les offices seront à nouveau permis dans la stricte limite de 30 personnes. Enfin, et je sais combien l'attente est grande et combien cela participe à notre quotidien, à la vie de nos centres-villes, de nos centres-bourgs, enfin donc, tous les commerces pourront rouvrir et les services à domicile reprendre, mais dans le cadre d'un protocole sanitaire strict qui a été négocié avec l'ensemble des professionnels que je veux ici remercier. Qui m'avait envoyé cette carte postale.